Hello tout le monde. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette sixième vidéo. Alors, l'hôtel, d'abord, franchement, on a passé une super nuit. Ouais, alors l'hôtel... magnifique. Le lit, franchement, c'est le king size. Il va faire 2 mètres sur 2 mètres et quelques. C'est donc vraiment un bonheur. Voilà. Tout le petit déj le matin. Alors, c'est vrai, pour le moment, on n'a jamais eu de buffet. Ouais. C'est que à la carte. Par contre, c'était vraiment très La carte était vraiment bien fournie. On a beaucoup de choix. Et qualité, très bien présentée. Et niveau de la présentation, oui. Donc, rien à dire. Voilà. Et sinon, programme de la journée, comme vous le voyez, on se trouve au Quangxi Waterfall. Donc, on a pris un chauffeur. Ouais, on a pris un chauffeur pour la journée qui va nous coûter aux alentours de 800 tips. Qui tourne aux alentours de... Je vais pas dire de bêtises, entre 40 et 50 euros. Donc voilà. Et donc en fait, vous payez votre billet d'entrée. Qui coûte 25 000 pips par personne. Et après, il y a une sorte de navette électrique qui vous ramène un peu plus haut. Et en fait, on s'est aperçu sur le chemin qu'il y avait un temple, magnifique temple. Juste avant un peu l'entrée principale, avant le parking où les navettes électriques nous dépose, donc on n'est pas remonté tout de suite, on est redescendu voir le temple. Voilà. Et donc un très joli petit temple et qui nous emmène au, je pense que ici à la base, oui, de la cascade. Ça va être la fin des chutes. Ouais. Et juste là, en fait, il y a même carrément des espèces de petits restaurants où on peut prendre café, j'imagine, et peut-être manger. Et donc voilà. Bah écoutez, on vous laisse avec les images et puis on vous dit à plus tard. À tout à l'heure.
on est trempé. Ouais. C'est quand même bien physique, prévoyez des bonnes chaussures. Ouais. Et l'altitude, la chaleur et tout, c'est... On a hâte d'arriver sur le plateau du haut et de reprendre notre souffle. De la cascade et franchement c'est une magnifique. Ouais, c'est vraiment super. C'est à part la montée, bon, c'est sûr que ayez des bonnes chaussures. C'est très poussiéreux donc ça glisse vachement. Hein. Et sinon oui ça vaut vraiment le coup. Oui, magnifique. On a, alors on n'a pas pensé, on a oublié de prendre les maillots de bain, mais vous pouvez vous baigner dans les parties un peu plus basses et c'est magnifique. Hein, pour faire des photos. L'eau est froide. L'eau est fraîche. On a quand même mis les pieds pour prendre des photos, mais on s'est pas baigné. Voilà.
Le retour de la cascade, petite mission, essayer de trouver un laundry service pour faire nettoyer les quelques affaires qu'on a. Et affaires, voilà. Beaucoup d'affaires même en général. Donc, et comme c'est vraiment pas cher, je me souviens plus du prix ce qu'on avait vu hier soir, mais déjà en Thaïlande c'était vraiment pas cher, alors là je pense que ça sera encore moins cher. Un prix compétitif quoi, en fait. Voilà, c'est bon, on vient de déposer les affaires. On avait 3,4 kg et en gros c'est 25 000 kips. Donc en gros ça nous est revenu à 8,60 €. En tout 85 000 kips. Et donc on a arrondi, vu que c'est un pays très très pauvre, et ils ont toujours le sourire. Et c'était des petites jeunes. Et donc 85 000, on a laissé 150 000, voilà, pour les tips. Voilà. C'est pour nettoyage et repassage. Sinon, si vous demandez juste, le nettoyage, c'est encore moins cher, en fait. C'est, comme je vous ai dit avant, c'est 10 000 kips le kilo. Voilà. Et en plus, donc là, on les dépose là, il est quelle heure ? 16 h, un truc comme ça. Et on les récupère demain à 11 h. Et voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, on retourne à l'hôtel. On va sûrement aller un peu plonger dans la piscine. Voilà, histoire de se rafraîchir un peu parce qu'il fait vraiment lourd. Moment de détente dans la piscine. Honnêtement, elle est froide, mais elle est vraiment belle. Donc, Et il y a personne, surtout, ouais. Comme dit Paul. Il y a vraiment personne. Je pense que les gens sont à la découverte de Luang Prabang dans les environs. Et là, Paul. Ah, Paul, il hésite à descendre dans l'eau là. Allez. Étape par étape. Étape par étape, comme il dit, ouais. Thank you.